Père céleste, nous voulons te remercier de tes gratitudes. Tu nous permets d'être là, dans ta maison, dans cette maison, Seigneur, pour t'adorer. Viens parmi nous par ton esprit et remplis nos cœurs de ta paix. Et renvoie-nous, Seigneur, que par ta grâce, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Frère, approchons-nous ensemble de l'Éternel, notre Seigneur. C'est par ce chant, le 159, que nous allons glorifier notre Dieu. Tous ceux qui le peuvent, je les invite tous à se prosterner avec moi dans la prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, Père, il est beau de te célébrer. Il est beau, Seigneur, de s'arrêter. Il est beau de t'obéir. Nous venons ce matin humiliés devant toi. Nous venons avec le cœur rempli de prières. Nous venons avec un esprit non partagé. Nous venons avec sincérité nous jeter à tes pieds, avec humilité. Nous prosterner devant toi.
car tu es Dieu d'éternité en éternité. C'est vrai, Seigneur, nous ne sommes pas dignes, mais couverts par le sang précieux de Jésus, nous avons avec nous cette quiétude. Nous avons, Seigneur, bien sûr, le cœur serré, mais nous avons cette présence en nous. Donc, nous ne sommes pas seuls. Tu es avec nous, tu es en nous. Avec toi, nous formons une seule Église, dont tu es la tête. Père, même habité que nous sommes, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Certes, nous te demandons pardon tout le temps, tous les jours. Encore ce matin, nous nous sommes réveillés, nous t'avons demandé pardon. Mais nous voulons le faire à l'unisson. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Et merci de ton pardon. Merci de ta grande sollicitude à l'endroit de tout un chacun. Cette semaine, Seigneur, encore, nous avons bénéficié de ta grâce. Nous avons profité, Seigneur, de toutes tes largesses. Combien de fois, Seigneur, tu nous as sortis de mauvais pas. Combien de fois tu nous as évité des accidents. Nous ne pouvons pas compter, Seigneur, le nombre de fois où tu nous as pris dans tes bras. Le nombre de fois où tu nous as consolés. Certains parmi nous ont dû perdre un proche durant cette semaine. Et ton épaule a été là, Seigneur, pour nous consoler. Ta voix a été apaisante, Seigneur. Tu nous as fait la promesse, comme nous a dit Moïse en ce matin, de rester avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu es un Dieu fidèle, tu tiens promesse. Par le biais du Saint-Esprit, Seigneur, tu es là, tu nous réconfortes. C'est vrai, la douleur, elle est immense. La maladie, elle est là, la souffrance, la peur. Mais tu es là avec nous et cela nous réconforte. Même, Seigneur, avec tous ces apports, nous tergiversons, nous allons ça et là, nous tombons et tu nous relèves. Nous te disons seulement merci pour tout cela. Parmi nous, Seigneur, il y a peut-être de ceux qui sont vraiment fatigués, de ceux qui ne savent pas, Seigneur, quoi faire. Il y a de ceux, Seigneur, qui peut-être cherchent un travail, d'autres, Seigneur, qui sont dans leur famille même tourmentés. Il y a peut-être des conflits dans les familles. Beaucoup de choses, Seigneur, bouleversent la vie de tes enfants sur cette terre. Mais tu nous dis en ce matin de te faire confiance et de persévérer, de te donner la première place en toutes choses. Moïse l'a rappelé en ce matin. Tu nous dis de sanctifier le sabbat, de mettre à part. Nous voulons le mettre à part, Seigneur. Et pas seulement, Seigneur, ce matin, pas seulement durant le moment de l'école du sabbat et du culte, mais nous voulons le faire pendant toute la journée de ce sabbat. Te donner, Seigneur, prémisse à toute chose et la priorité, Seigneur, dans nos vies, dans cette relation avec toi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, je veux te confier en ce matin l'Église dans son ensemble. Je veux te confier, Seigneur, tous ceux qui sont découragés. Tous ceux, Seigneur, qui sont joyeux et qui viennent, Seigneur, se joindre à nous, toutes les voix, Seigneur, pour faire monter en un seul cœur, Seigneur, cette prière vers toi. Veuille dans ton amour, Seigneur, combler ceux que nous t'avons présentés comme étant des malades, Seigneur, physiques. Je veux parler de la petite Stacy que nous t'avons confiée. Je veux parler aussi de Jeannot. Je veux te parler aussi, Seigneur, de la sœur Maria. Bénis-la, Seigneur. Fais-la du bien. Je veux te parler de Jeanne. Là aussi, Seigneur, je te demande de la prendre, Seigneur, comme ta propriété exclusive, de faire du bien à ton enfant. À Gilles, son mari. Je te parlais, Seigneur, d'Elsa qui est parmi nous, Seigneur, et qui, elle aussi, attend, Seigneur, ce secours. Seigneur, je veux te parler de Michel, de Timothy.
Je veux te parler, Seigneur, de tous ceux, toutes celles qui souffrent. Tu les connais, Seigneur. Peut-être que j'ai oublié d'autres noms. Mais tu as déjà tout mis, Seigneur, sur ton agenda. Père Saint, Père Juste, je veux te confier en ce matin celui qui doit parler en ton nom et qui doit, Seigneur, nous donner ce pain. Que ce pain, Seigneur, soit bon pour chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Il veut, Seigneur, complètement s'effacer, que toi, Seigneur, tu sois entendu. Seigneur, remplis-nous encore de ta présence. Fais-nous du bien. Et permets que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous. Bénis les enfants qui sont parmi nous. Et bénis, Seigneur, tous les parents, ceux qui nous visitent en ce matin. Que tu sois avec chacun d'entre nous. Bon sabbat à chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux, il est tout puissant et nous avons énormément de raisons pour le remercier, pour ses bontés, pour ses bénédictions. Ce matin, nous avons eu l'occasion de passer un moment ensemble et dire un petit peu notre reconnaissance au Seigneur. J'ai fait une petite liste, non exhaustive à mon goût, des choses pour lesquelles on pourrait remercier le Seigneur. Pour le don de la vie, pour la santé, pour la famille spirituelle aussi, pour le sabbat où nous avons l'occasion de nous retrouver pour pouvoir justement donner gloire à Dieu, pour la nature, le simple chant d'un oiseau, pour les fleurs, pour les quatre saisons, pour la récolte des fruits et des légumes, pour les victoires remportées, pour le soutien quotidien, pour les promesses, ces promesses qui sont certaines, pour le don de son Fils, pour le don de Jésus, pour le pardon de nos péchés et pour la vie éternelle. Pour toutes ces choses, et j'en ai certainement oublié, vous avez peut-être aussi des raisons personnelles pour lesquelles vous voulez dire merci à Dieu. Je ne vais pas vous demander de les dire en ce matin, mais simplement, nous allons nous unir dans un chant qui s'intitule « Louez l'Éternel en tout lieu ». Nous allons faire monter nos voix vers le Seigneur à travers ce chant, le 605. On va se mettre debout pour ce chant. Loue, 3, 4, ensemble. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui crée. Unissez aux plus belles voix.
asseoir. Le chant qui suit est un chant d'espérance. Vous savez, quand le Seigneur va revenir, nous serons une multitude, nous serons nombreux comme le sable des plages à acclamer notre Seigneur. Il y a quelques semaines de cela, j'ai eu la chance de participer à la conférence générale aux États-Unis. Nous n'étions pas nombreux comme le sable des plages, mais nous étions à peu près 110 000, à peu près. Il y avait des personnes du monde entier et nous avons eu l'occasion de passer un sabbat formidable. Alors imaginez un petit peu avec les orchestres, les différentes chorales et donc des personnes de différentes nationalités, comment ça peut être impressionnant. Mais cela n'est rien, vraiment n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Alors ce matin, je vais vous demander de faire un exercice de foi. Nous allons nous projeter par la foi dans ce moment-là où nous serons nombreux comme le sable des plages à louer notre Seigneur. Et donc, ensemble, nous allons prendre ce chant. Le numéro 504. Au quel beau jour où devant la face du Seigneur, nous serons rassemblés pour pouvoir justement glorifier notre Seigneur. Nous aurons toutes ces souffrances qui ont été notre vie, qui ont fait nos vies, seront derrière nous et nous serons là devant le Seigneur en le remerciant de nous avoir rachetés. Et donc voilà, dans cet état d'esprit-là, nous allons prendre ce chant. On va se mettre debout. Ça sort mieux quand on est debout. Leurs chants, leurs yeux, ils en tireront.
asseoir. D'ici là, tenons bon, tenons la main du Seigneur pour pouvoir être là lorsque nous serons tous ensemble pour louer notre Seigneur. Service de fidélité. Pour beaucoup de pionniers, donner n'était pas un geste qu'ils faisaient seulement à l'Église suite à un appel durant le moment des offrandes. Donner, c'était un style de vie. Frère Stéphane Oskel et sa femme Marie avaient travaillé pendant 20 ans pour s'acheter une petite maison. Après des années de dur labeur et de scrupuleuses économies, ils étaient enfin les propriétaires de leur maison dans le sud de Lancaster. Ils se réjouissaient encore de ne plus avoir de dettes quand ils apprirent qu'il y avait une crise financière à Battle Creek. Il y avait un besoin urgent de 3 000 $. Discrètement, les Oskels hypothéquèrent à nouveau leur maison pour faire un emprunt, puis envoyèrent l'argent à l'Église adventiste mondiale en réponse à la crise financière. Stéphane et Mary vécurent cela comme un privilège d'être partenaires avec Dieu pour aider les autres. Des années plus tard, Stéphane Oskel fut récompensé 10 fois plus, et ce, dans tous les sens du terme. Appel. Qu'en est-il de nous? Sommes-nous prêts à nous associer avec Dieu pour aider les autres à promouvoir son œuvre? La question se pose à chacun de nous. Je demande donc à la diaconesse et au diacre de passer dans les rangs pour accueillir les offrandes et les dîmes. Et nous allons chanter le chantème « Où est ton trésor ?» Tu peux te tromper.
Inclinons la tête pour la prière. Père éternel, merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde, ta fidélité. Seigneur, apprends-nous à être fidèle comme toi, tu l'es, à être généreux en toutes choses, Seigneur. Merci pour ton amour et, Seigneur, nous te remercions de nous avoir conduits dans ton Église, Seigneur, pour que nous puissions te louer, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, mais, Seigneur, aussi dans ce que nous pouvons te donner. Nous ne savons que demander, Seigneur, mais toi, tu nous donnes toutes choses, Seigneur, tu nous bénis. Apprends-nous, Seigneur, à être comme Jésus quand il était sur terre pendant son ministère, manifester de l'amour dans tout ce que nous faisons, et surtout, Seigneur, encore, être généreux. Je te prie au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Ce matin, je suis chargé de vous faire bon accueil. Et j'ai beaucoup apprécié la présentation d'Élodie. Élodie, c'est celle qui nous conduit dans le chant ce matin. Parce qu'elle a... Elle a rendu témoignage de ce qu'elle a vécu à la conférence générale à San Antonio. D'habitude, je fais partie de la même classe de l'école du Sabakel et elle a toujours un témoignage qui se passe toujours en automobile, dans sa voiture. Mais là, elle nous a gratifié d'autres choses. Et elle a surtout dit, on n'était pas très nombreux, mais on était 110 000. Voilà, mais ce qui m'a plu dans ce témoignage, c'est qu'elle a déjà cette vision d'en haut. Hein? C'est par la foi, elle est déjà dans le ciel. Oh, pour elle, ici-bas, 110 000, ce n'est pas beaucoup. Elle voit déjà cette multitude, ces myriades de gens qui, en adorant Jésus, eh bien, jettent leur couronne par terre. Un spectacle extraordinaire. C'est ce qu'elle a voulu nous dire en ce matin. On n'était pas beaucoup, on était 110 000. Voilà. En ce matin, nous ne sommes pas beaucoup, c'est vrai, mais nous sommes quand même là. Et je voudrais vous souhaiter, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, la bienvenue. Je voudrais aussi adresser cette bienvenue à nos chers amis qui nous suivent sur le net et leur dire « Maranatha, oui, Jésus revient bientôt », de tenir fermement ce qu'ils ont, et de ne pas lâcher, comme on dit, ici-bas. Et je voudrais aussi souhaiter une bienvenue particulière à ceux qui ont l'habitude de nous visiter. Je veux parler de l'église de Versailles, des jeunes de Versailles qui se déplacent jusqu'à nous ici. C'est qu'ils ont trouvé que Puiseux-Pontoise, c'est bon. Il y a le soleil ici. En principe, à Versailles, il n'y a pas de soleil. Mais... c'est le paradoxe, hein, parce que quand on parle de Louis XIV, on fait allusion au soleil, et ils viennent chercher le soleil ici. C'est un bon coin, vous avez très bien choisi, que le Seigneur puisse vous bénir. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à Josiane, qui était partie faire une petite promenade avec son cher mari Claude, et qui nous est revenue aussi. Voilà, tous ces gens qui nous reviennent. Il y a aussi Georges, et j'ai vu Georges, il est revenu, et tous ceux qui étaient partis en vacances et qui sont revenus. Je vous souhaite donc de vous sentir à votre aise ici. Nous sommes avec papa, nous sommes dans le lieu où nous l'avons consacré, nous avons consacré en son honneur. Et je voudrais aussi, avant de vous quitter, souhaiter la bienvenue à tous les bébés. Oui, je veux faire une... Je veux faire un point d'honneur à saluer tous les bébés, en particulier le petit Léo, que j'aime beaucoup, qui sourit toujours. C'est vrai, il n'a pas le sourire de son papa, mais ça va venir. Je voudrais souhaiter aussi au petit Lucas la bienvenue, et puis tous les bébés que j'oublie, peut-être qu'il y a d'autres, et leur maman aussi. Que Dieu vous bénisse et que le sabbat soit pour nous, ce sabbat soit pour nous un sabbat de bonnes nouvelles. Merci, que Dieu vous bénisse.
Nous allons poursuivre avec l'histoire pour les enfants, pour les bébés, pour les adultes. Bonne oreille. Ça va? Les vacances se passent bien? Ah, vous êtes contents? Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Rachana, qui habite au Cambodge. Je vais plutôt vous lire, alors vous allez écouter. Rachana vit au Cambodge avec sa mère et ses frères et sœurs. Comment êtes-vous venu à l'église ce matin? À pied? À vélo? En voiture? Oui, vous avez de la chance. S'il n'y a pas de voiture, il y a le train, il y a le bus, il y a le tramway, oui. Mais Rachana, elle et sa maman, ils n'avaient pas de voiture et il fallait aller au temple à pied. Et c'était très, très, très loin. Et la maman, elle priait pour avoir une bicyclette. Vous vous rendez compte, une bicyclette pour une maman, deux enfants qui se mettaient derrière, et un autre devant. Et la maman qui pédalait pour aller à l'église. Vous vous rendez compte? Eh bien, figurez-vous qu'ils faisaient tout ça à pied. Et après, elle a prié la maman pour avoir cette bicyclette. Regardez. Elle a prié. Et là, elle a pu avoir cette bicyclette pour aller à l'église avec ses enfants. Mais ce n'est pas tout. Puisque le papa n'était pas à la maison, il était en prison. On ne dit pas pourquoi qu'il était en prison, s'il avait fait quelque chose de mal, ou s'ils l'ont mis en prison comme ça parce qu'il était chrétien. Là, on ne sait pas. Ils ne le disent pas. Mais ce qui s'est passé, il faut que la maman travaille pour s'occuper des enfants, pour payer le loyer toute seule. Oh là là, c'était dur. Et là, elle dit à ses enfants, nous irons à l'église, mais nous n'avons rien à manger, ni ce matin, ni à midi. Qui c'est qui a mangé ce matin avant de partir? Vous avez de la chance. Mais cette famille n'avait pas cette chance. Ils n'avaient pas mangé le matin et ils n'avaient rien à manger à midi. Et elle disait à ses enfants, nous allons prier et le Seigneur va nous aider. Et là, ils se sont préparés, les deux garçons derrière et la fille devant et la maman au milieu et hop, ils sont partis à l'église. Arrivés à l'église, il y avait l'école du sabbat et le culte et tout. Et après, ils se sont dit, bon, maintenant on va rentrer à la maison, il faut qu'on rentre. Mais la maman, elle avait du courage, mais les enfants, l'estomac était vide. Ils avaient faim. Et la maman qui pédalait. Et elle priait quand même en pédalant. Alors, on nous dit qu'ils arrivent à un certain moment sur la route. Qu'est-ce qu'elle voit? Un sachet. Et s'arrête. Et elle dit à Rachana, va récupérer le sachet. Elle dit, mais maman, c'est pas à nous, on ne peut pas le prendre. Elle lui dit, je t'ai dit d'aller prendre le sachet.
elle descend du vélo et elle va, elle récupère le sachet. Qu'est-ce qu'il y avait dedans, pensez-vous? Un gros poisson. Et elle était très contente, la maman, surtout la maman, parce que ça lui faisait de la peine de voir ses enfants comme ça, le ventre vide. Les mamans, encore les papas, on peut tenir, mais de voir nos enfants comme ça, c'est très dur. Alors, la fille qui amène le sachet, et puis la maman qui dit, « Oh, Dieu l'a même enveloppé dans un sachet pour que ça soit propre. » Alors, elle dit aussi, la fille qui redit à sa mère, « Mais ce n'est pas à nous. » La maman regarde à droite, à gauche, pour voir s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne. Alors, elle a dit, « Maintenant, nous allons rentrer. » Et ils sont rentrés à la maison. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait, d'après vous? Alors, ils ont prié. Ils ont prié pour remercier Dieu. Et ils ont remercié Dieu, même pour la personne qui avait perdu le poisson. Ah ben oui, comment on dit ça? Cette personne-là, peut-être qu'elle en avait plus, on ne sait pas. Mais Dieu a permis, n'empêche, que ce poisson tombe sur la route et que la maman de Rachana et ses frères, elle a pu préparer un très bon repas pour donner à manger à ses enfants. Alors qu'il lui restait un tout petit peu de riz, il se disait, on va manger ça, et puis, ben oui. Mais non, elle a fait griller le poisson, et là, ils ont bien mangé à midi, et elle a même dit, on va garder un petit peu pour ce soir et demain à midi. Alors, vous vous rendez compte, des fois, nous jetons, et il y en a d'autres, et cela s'est passé au Cambodge, dans un foyer adventiste. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette famille priait beaucoup. Ils faisaient confiance à Dieu. Nous aussi, nous pouvons prier. Quelles que soient les difficultés, les soucis, qu'est-ce qu'on peut faire? Prier et demander à Dieu son aide, son secours. Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Maintenant, on va fermer les yeux et on va prier. Vous allez répéter après moi. Merci Jésus d'être à nos côtés. Merci, tu es toujours là au bon moment. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Aide-nous à le dire autour de nous que tu es un Dieu bon. Que tu veilles toujours sur tes enfants. Amen. Très bon sabbat à vous. Merci. Bonjour chers frères et sœurs, je vais vous demander de vous lever et nous allons lire le livre de Josué 24, 28, 31. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 120 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Tima, Séra, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Amen. Alors, nous allons prendre le chant 291 du Hymne et Louange. Mmh.
Parfois ma route est bien obscure, sans aucun rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient. Frères et sœurs, chers amis, je voudrais en ce midi réitérer nos souhaits de bienvenue pour tous ceux que peut-être Maurice a dû oublier dans son élan. Sentez-vous à l'aise et soyez les bienvenus parmi nous. Vous êtes à la maison de Dieu. Nous faisons d'une seule et même famille, la famille de Dieu. Et nous avons un seul Père, un seul Sauveur, un seul Consolateur. Que Dieu puisse nous bénir en ce jour et qu'il fasse que nos cœurs puissent être sensibles à sa parole. Que nous puissions sentir le Seigneur nous parler, nous exhorter et nous préparer pour cette grande rencontre qu'Élodie a énuméré tout à l'heure, car notre objectif, d'ailleurs, c'est cela, n'est-ce pas? Je me suis trompé, peut-être? Non. Eh bien, aujourd'hui, j'ai cette responsabilité, frères et sœurs, de partager le pain de vie avec vous, mais je ne me sens pas à la hauteur. Eh bien, nous allons incliner la tête et demander au Seigneur de nous assister. Père Céleste, nous voulons ouvrir ta parole. Mais qui c'est qui peut nous aider à comprendre ta parole, si ce n'est ton esprit? C'est pourquoi, Seigneur, nous t'implorons d'envoyer ton esprit dans nos cœurs et qu'il nous éclaire et que tout ce que nous allons lire et dire ensemble puisse être digne de nous édifier, nous qualifier pour ton royaume. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Eh bien, le texte qui vous a été lu tout à l'heure, Josué chapitre 24, les versets 28 à 31. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de
110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Sérach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaas. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué, qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Ce verset m'interpelle particulièrement. Il y a un message fort qui s'y dégage. Et ensemble, nous allons essayer de méditer sur ces paroles et aussi, notamment, rappeler un petit peu ce qui s'est passé dans la vie de Josué, les moments forts de sa vie. Josué était de la tribu d'Éphraïm, fils de Nun, comme nous dit la parole de Dieu. Il faisait partie des 12 espions envoyés pour explorer le pays de Canaan. Je pense que vous vous souvenez de cela. Lors du choix des espions, eh bien, il s'appelait Osée. Et c'est Moïse qui le nomma Josué. Vous pouvez vérifier ça dans le livre de Nombres, chapitre 13, le verset 16. C'est Josué qui va, c'est Moïse qui va l'appeler Josué. Et Josué a la même racine avec Jésus. C'est révélateur de ce que Moïse l'a appelé Josué. Parce que plus tard, il va devenir un grand leader. Un grand responsable, quelqu'un qui va conduire le peuple de Dieu. On peut dire que c'est un type de Jésus-Christ. Il va préparer le peuple à entrer dans la terre promise. De même que Jésus est venu sur la terre, il a créé, formé l'Église. L'Église, c'est lui qui est en tête de son Église, c'est lui qui nous guide, qui nous prépare pour entrer dans la Canaan céleste, dans son royaume. C'est Josué et Caleb, au moment où le peuple murmurait contre Moïse et Aaron, après le rapport négatif des 10 autres espions, déchiraient leurs vêtements et parlaient à toute l'assemblée d'Israël, prononçant des paroles de foi et d'encouragement. Ces deux hommes surregardaient la situation, notamment l'analyse de comment se présentait cette ville cette ville, le nom m'échappe, ça va me revenir. La ville que Josué a conquis avec... Rappelez-moi quelqu'un. Jéricho. Voilà, j'attendais ça de vous. La ville de Jéricho. Eh bien, Josué et Caleb ont su faire une autre analyse que les 10 autres espions. Pourtant, ils étaient devant la même ville. Ils ont vu les mêmes personnes. Mais la différence, c'est qu'ils ont su regarder avec les lunettes de la foi. Ils avaient su se remémorer qui était à leur tête vraiment, qui les avait guidés jusque-là. Ils avaient su que c'était Dieu lui-même, encore Jésus-Christ, qui les avait guidés jusque-là, depuis l'Égypte jusque-là. Et il avait vu l'Éternel à l'œuvre pour son peuple. Si l'Éternel avait permis à ce que la mer Rouge puisse couper en deux et faire un chemin et traverser à pied sec, eh bien, qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire pour faire réussir son peuple? Frères et sœurs,
vous aussi, vous avez vécu des choses dans votre vie avec l'Éternel. Mais quelquefois, on a la mémoire courte. On est vite submergé par le doute et on se décourage. Nous aussi, nous sommes en marche vers le royaume éternel. Et à l'instar de Josué, nous devons regarder avec les lunettes de la foi et rester fidèles jusqu'au bout. Nous aussi, nous devons apprendre à tirer le son du passé. Nous rappeler de celui qui nous a guidés jusque-là et aborder l'avenir avec confiance, sachant qu'il nous conduira, que Jésus nous conduira jusqu'à son royaume. Le danger vient de ce que nous nous laissons distraire par les leurres que nous dresse le diable sur notre route. Et nous nous épuisons à combattre des ombres. Nous nous épuisons à combattre des ombres. Quand les difficultés sont là, ne jugeons pas et ne regardons pas à la manière des hommes. Mais osons regarder avec les lunettes de la foi, sachant qui est à la tête de l'Église. Sachant qui est à la tête de l'Église. Qui est la tête de l'Église? Josué, tout jeune, fut un proche collaborateur de Moïse. Il reçut de Moïse, serviteur fidèle de Dieu, une grande formation spirituelle. Il apprit de Moïse comment faire confiance à l'Éternel et lui obéir en toutes choses. Ses expériences avec Dieu, sous la direction de Moïse, le prépara à devenir un grand serviteur de l'Éternel. Et à l'âge de 70 ans, peut-être aujourd'hui, ce serait nous, on parlerait de prendre notre retraite, bien méritée. Mais à l'âge de 70 ans, il va être appelé à prendre la direction, à prendre le peuple en main pour les conduire dans la terre promise. C'est lui qui prend la suite de Moïse. Et Josué et Caleb. Ces deux rescapés, et à part quelques autres, quelques anciens, c'est eux qui ont traversé le désert. C'est eux qui ont pu résister à l'épreuve du désert parce qu'ils ont su faire confiance à Dieu. Tous les autres périrent dans le désert. Tout le reste du peuple périt dans le désert. Et c'est la génération suivante qui entrera dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré, ils ont été infidèles, ils ont douté de la puissance de Dieu. Je vous invite d'ailleurs à prendre le texte de Nombre chapitre 14 avec moi. Nombre chapitre 14, le verset 19 à 21. Nombre 14. Alors, c'est Moïse qui part à l'Éternel. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon ta grande miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis le pays d'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel resplendit sur toute la terre. Je viens de vous dire que presque tout,
tout le peuple n'entrèrent pas dans la terre promise, le peuple qui est sorti d'Égypte. Ils sont tous péris dans le désert parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Ils ont murmuré lorsque les 10 autres espions ont fait un rapport négatif devant le peuple. Ils pleuraient, ils voulaient même retourner en Égypte. Et l'Éternel a dit, c'est assez. Mais pourtant, ce n'est pas la première fois que le peuple avait péché contre l'Éternel. À plusieurs reprises, quand vous lisez le parcours du peuple d'Israël, ils ont murmuré. Mais cette fois-ci, l'Éternel a dit non. C'en est assez. Parce que là, maintenant, vous devriez être capable de reconnaître c'est moi qui vous conduis. Frères et sœurs, aussi, dans nos vies, dans notre marche vers le royaume des cieux, dans notre relation avec Dieu, eh bien, il y a un certain moment que nous devons grandir, que nous devons ne plus nous comporter comme des enfants, mais comme des hommes faits, comme des hommes qui connaissent Dieu, qui connaissent celui qui nous guide. La patience du Seigneur a des limites. Ce peuple-là, eh bien, l'Éternel va dire, eh bien, maintenant, c'est trop. Ça suffit. Vous n'allez plus rentrer dans la terre promise. Ce sont des paroles dures à entendre, n'est-ce pas? Et je souhaite que le Seigneur ne puisse nous dire de telles choses. Là, c'était la terre promise. Heureusement, une terre en Canaan, mais Dieu, dans son amour, a quand même réservé le royaume éternel. Mais si nous, aujourd'hui, nous perdons ce royaume, qu'est-ce que nous aurons à la place? D'où l'importance d'être fidèle à ce Dieu-là et le connaître vraiment. Alors, tous ceux-là qui ont vu la gloire de l'Éternel, les prodiges qu'il a opérés pour les conduire jusque-là, étaient censés de connaître et de savoir qui les conduisait vraiment. Ce n'était pas Moïse et Aaron. Ils étaient là simplement des représentants de ce Dieu. Et il était là pour les préparer. Pour les préparer à connaître ce Créateur. Qui était ce Créateur vraiment? Mais ils se sont complus à murmurer. C'était des murmures sans fondement. Ils étaient tout simplement de mauvaise foi. Et disons, ils n'avaient pas de foi du tout. Dieu déclare, je ne tiens pas compte du temps d'ignorance. Dieu dit, je ne tiens pas compte du temps d'ignorance. Mais quand on connaît, eh bien, les choses changent. Quand on connaît et que l'on persiste, on s'expose à un grand danger de perdre le salut éternel. Le manque de foi se traduit par la désobéissance. Tous ces contestataires, convaincus de la véracité de la parole de Dieu, persistaient dans la désobéissance, tombèrent dans le désert et n'entrèrent pas dans la terre promise. Aujourd'hui, nous avons le même Seigneur à la tête de son peuple, afin de nous conduire dans la Canaan céleste. Il nous invite à avoir une foi vivante, obéissante, une foi permanente. Il nous invite tout simplement à la fidélité. Ne soyons pas ces contestataires, quoi qu'ils vissent les œuvres de Dieu. Josué, 40 ans plus tard,
est établi à la tête du peuple, à la tête de la nouvelle génération, parce que tous les parents avaient péri dans le désert. La main de l'Éternel les fit tous périr pour qu'aucun d'entre eux n'entrasse dans la terre promise. Josué fut appelé pour faire entrer ce peuple dans la terre promise. Il commença par la ville de Jéricho, là où le peuple, 40 ans plus en arrière, avait échoué. Il va commencer là où le peuple avait échoué. Frères et sœurs, quand quelquefois nous avons certaines épreuves ou certains défauts que nous ne surmontons pas, eh bien, remarquez, à chaque fois, vous vous êtes placé devant afin de pouvoir vaincre et passer à autre chose. Tant qu'on ne va pas vaincre ce problème, eh bien, le problème va se présenter. C'est dans le but de nous aider à le vaincre. Et nous devons implorer le Seigneur, il nous donnera la victoire. Amen. Josué, avec le peuple, va commencer là où le peuple avait échoué. Cette même ville, qui va avoir les mêmes fortifications, rien n'avait changé. Les habitants n'ont pas changé. Ce sont toujours les fils d'Anak, les géants. Et le peuple se disait, par rapport à eux, nous sommes des sauterelles. Et ils sont toujours pareils, comme des sauterelles, aux yeux de ce peuple. Mais cette fois, ils sont dans un autre état d'esprit. Ils regardent avec les yeux de la foi. Ils sont conscients de la présence de celui qui détient la toute-puissance et obéissent aux ordres les plus simples, sans murmure. Et ce fut le secret de leur victoire. Quand vous lisez la prise de Jéricho, quand vous lisez dans Josué chapitre 6, 1 à 5, que l'Éternel demande au peuple de faire le tour de la ville, sans parler. Premier jour, deuxième jour, la même chose. Septième jour, un peuple qui fait le tour de la ville de Jéricho devant des murailles insurmontables. Eh bien, ceux qui ont fait des écoles militaires, eh bien, s'ils étaient là, qu'est-ce qu'ils feraient, pensez-vous? Ils se mettraient à rire. À rigoler, voilà, un peuple qui veut prendre la ville et qui font tranquillement le tour de la ville. Ils n'ont pas de canon, ils n'ont pas de catapulte, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'armes. Mais ils ont la foi. Mais ils ont la foi. Et là, ils obéissent à ses ordres les plus saints. Et là, ils remportent la victoire. Le septième jour, au septième tour, les trompettes sonnent, le peuple crie, les murailles tombent. Ils ont agi par la foi. La foi, nous, avec la foi, nous pouvons faire tomber des montagnes. Si nous avons confiance, si nous sommes fidèles. Ce matin, nous avons parlé de Daniel, ses compagnons, des hommes de foi, des hommes fidèles. C'est ce qui nous manque le plus, frères et sœurs, dans les temps où nous vivons. La fidélité, la foi, la fidélité. Mais quelquefois, nous nous laissons distraire par ce que nous offre le monde. Nous dilions les vérités de la parole de Dieu. Nous nous permettons de vivre comme le monde. Le Seigneur ne peut pas utiliser un peuple dans de telles conditions. Sans quoi nous allons dire, nous allons nous complaire dans notre manière de vivre. L'Éternel a besoin d'hommes fidèles, comme Josué. Josué, quand il était parti pour explorer la ville de Jéricho, et Caleb, ils avaient à peu près 30 ans. Combien de jeunes hommes, de jeunes filles parmi nous, dans l'église, qui ont 30 ans?
Eh bien, tout cela, l'Éternel les appelle à être des Josué. Bien sûr, les plus âgés, les plus jeunes aussi. Alors, Israël, il a dit qu'Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Israël va rester fidèle durant la vie de Josué et des anciens qui ont connu l'Éternel, qui ont connu tout ce que l'Éternel avait fait depuis l'Égypte jusque dans la terre promise. Il est bon d'avoir des hommes à la tête du peuple de Dieu qui connaît vraiment l'Éternel. Là, dans un premier temps, c'est ce que je remarque, qu'il est important d'avoir des hommes fidèles, des hommes de foi à la tête du peuple de Dieu, qui contribuent à la fidélité, à l'engagement, à la motivation dans la mission, mais surtout qui a permis à ses contemporains de connaître le vrai chef. Les anciens étaient fidèles parce qu'ils avaient connu l'Éternel. Ainsi, ils enseignaient au peuple la connaissance de l'Éternel, ce qui garantissait la fidélité. Alors, comment le faisait-il? C'était en partageant avec la génération suivante les expériences vécues avec l'Éternel, en rappelant les prodiges que Dieu avait opérés parmi eux et en enseignant au peuple les commandements de l'Éternel. Avez-vous remarqué que l'Éternel ne nomma pas de successeur à Josué comme il le fit pour Moïse? Est-ce que vous avez remarqué ça? Que l'Éternel ne nomma pas un successeur à Josué comme il l'a fait pour Moïse. On peut se demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que ces hommes qui étaient là étaient appelés à représenter Dieu, à amener le peuple à connaître que c'est Dieu lui-même qui les conduisait. Et l'Éternel avait jugé bon avec tout ce qu'ils avaient vécu pour arriver dans la Canaan, dans la terre promise, qu'ils étaient à même de l'accepter comme le vrai chef. Et de se conduire d'après la parole de l'Éternel. Quand vous lisez le chapitre 5 et 6 du Deutéronome, Moïse, avant son départ, va reprendre toutes les promesses. Il va reprendre toutes les recommandations de l'Éternel au peuple. Va leur rappeler d'où ils sont sortis et les commandements de l'Éternel. Les enfants d'Israël servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué, des anciens qui survécurent à Josué, qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Tout cela ont vécu fidèlement. Ici, il est sous-entendu aussi que le peuple, après, dans la lecture de ce verset, qu'après le peuple est devenu infidèle. Ils ont été par la suite infidèles. C'est ce qui est sous-entendu dans ce texte. Et vous pouvez aussi le vérifier dans Juges chapitre 2, le verset 6 à 11. Nous allons lire ce texte ensemble. C'est un petit peu le parallèle. Juges, chapitre 2. Versets 6 à 11. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays.
Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait pour, en partage à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaas. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Pourquoi il ne connaissait point l'Éternel ? N'avait-il pas la possibilité ? L'Éternel n'était pas au milieu d'eux ? Pourquoi la génération suivante ne connaissait pas l'Éternel ? À l'époque des juges, c'est une période particulière. Ils viennent d'entrer dans la terre promise. Ils ont vu toutes les choses extraordinaires. C'est d'ailleurs Dieu qui leur donne la terre, ce territoire. Ils mènent des guerres, ils sont victorieux. Et c'est l'Éternel qui combat pour eux. Simplement, il faut qu'ils avancent par la foi pour que l'Éternel puisse opérer par eux. Mais l'homme a la mémoire courte. Ils vont prendre possession de ce pays. Ils vont s'établir, eux qui étaient dans le désert, sans rien, que Dieu subvenait chaque jour à leurs besoins. Maintenant, ils sont dans la terre promise, ils ont des terres, ils ont des maisons, ils sont occupés à leurs affaires. Et là, on oublie la transmission de la connaissance de l'Éternel. Les hommes, ils vont oublier de transmettre à la génération suivante cette connaissance de l'Éternel. Enseigner cette dépendance de l'Éternel. Et ça doit nous interpeller, frères et sœurs, aujourd'hui. Et nous ne sommes pas différents. Quand on constate les plus jeunes qui montent, quelquefois, ils ne connaissent pas grand-chose dans la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la Bible, qui est cette lumière qui doit nous conduire jusque dans l'éternité. On ne prend pas le temps d'étudier la parole de Dieu. On a d'autres intérêts. On est occupé à autre chose. Eh bien, ceux qui sont occupés à autre chose ne pourront pas entrer dans le royaume. Nous sommes invités, nous qui sommes à la veille d'entrer dans la Canaan céleste, à nous préparer spirituellement, à lire cette parole, car c'est la lampe qui va nous conduire sur le chemin jusqu'au royaume céleste. Eh bien, la génération qui montait après, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais je dois aussi dire que les parents, dans tous les débuts, ils ont commis une faute. L'Éternel avait dit de détruire tout ce peuple-là parce qu'ils vont vous corrompre par l'idolâtrie. Ils ne l'ont pas fait. Alors toutes ces choses étaient là. Et n'ayant pas la connaissance du vrai Dieu, eh bien leurs enfants se sont adonnés à des idoles. Ils ont servi d'autres dieux. Pourtant, celui qui les avait fait sortir du pays d'Égypte était là. Le Seigneur a voulu que ce peuple qui avait reçu tous ces enseignements, qui avait vécu ces expériences, puisse être mature et marcher avec lui. Le prendre comme exemple, le prendre comme chef. Aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Quelquefois, eh bien, nous entendons, « Ah, je ne viens pas à l'église parce que c'est frère un tel, il a agi de telle façon, eh bien, il m'a découragé. » Ça, ce ne sont pas des paroles que le Seigneur va prendre en compte, parce que nous avons reçu chacun la connaissance de l'Éternel. Nous devons être des hommes forts, debout,
sur lequel le Seigneur puisse compter des hommes, des colonnes, appui de la vérité. Aujourd'hui, nous avons tout à notre disposition pour connaître Dieu. Nous allons prendre un texte se trouvant dans Osée, Osée chapitre 4, verset 6, que je vous invite à prendre avec moi. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de l'Éternel. Il faut que nous puissions connaître ce Dieu. Et connaître ici, je ne veux pas dire connaître le nom, l'identifiant, mais d'avoir une expérience avec Dieu. Connaître qui il est, comme Dieu avait rappelé à Israël, et Moïse et Josué aussi avaient rappelé à Israël. Connaître ce vrai Dieu, vivre quelque chose de fort avec lui, savoir qu'il est le Tout-Puissant, celui qui peut nous soutenir dans notre vie de tous les jours. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et le diable s'emploie à maintenant, à faire en sorte que nous ne puissions pas avoir cette connaissance. Il va nous donner toutes sortes d'occupations pour que nous ne puissions pas prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu, la Bible, cette Bible pour laquelle beaucoup sont morts dans le passé. Pour l'avoir lu. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité de l'ouvrir librement. Donc, si nous ne le faisons pas, eh bien, pas d'excuses, parce que le Seigneur nous donne la possibilité de le faire. Jean 17, verset 3, nous allons prendre ce texte dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est ça, de connaître notre Dieu et celui qu'il a envoyé, savoir Jésus-Christ. Et cette connaissance, eh bien, se traduit par l'obéissance à la volonté de Dieu, à ses commandements. Cette obéissance doit être le vécu de chacun d'entre nous. Connaître Dieu et Jésus-Christ, notre chef à tous. Nous devons lui rester fidèles jusqu'à la fin. Et ce chef qui est Jésus, quand vous prenez Jean chapitre 17, eh bien, notre chef, il a prié pour nous, afin qu'aucun d'entre nous ne puisse être perdu. Il le dit à son Père, « Je prie de les préserver, de les garder du monde. » Et si nous nous soumettons à la volonté de notre chef, eh bien, il n'y a pas de raison que nous puissions ne pas entrer dans ce royaume éternel. Frères et sœurs, puisque nous avons un tel chef, abordons l'avenir avec confiance. Le seul danger, c'est d'oublier qui est à la tête de l'Église. Le peuple de Dieu s'était rebellé contre Moïse et Aaron, oubliant qu'ils étaient seulement des serviteurs, contribuant à leur bien-être, les invitant à la fidélité envers celui qui est le chef de l'Église, à savoir Jésus-Christ. C'était des pécheurs comme nous, faisant de leur mieux pour accomplir leur mission.
Aujourd'hui, je pense qu'il en est de même pour tous ceux qui assument des grandes responsabilités parmi nous. Et que leur souhait est que nous devenions des colonnes et l'appui de la vérité. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Que nous devenions des colonnes sur laquelle la vérité est posée comme un fondement. Des hommes qui puissent dire comme Jésus, il est écrit. Voilà le conseil que nous donne le Seigneur pour rester ferme et remporter la victoire. Nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 20-20. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 20-20. De Chroniques chapitre 20, le verset 20, pardon. De Chroniques 20, 20. Et je demanderai à quelqu'un de l'Assemblée de bien vouloir lire ce texte, hein, à haute voix. Que celui qui l'a trouvé puisse le lire. Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Amen, amen. Alors le Seigneur nous invite, nous disant, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Josué, par sa fidélité, son obéissance, sa foi, son engagement, fut une référence de premier plan pour son peuple. Son exemple poussait le peuple à l'obéissance et à la fidélité. Les anciens fidèles les influencèrent dans le même sens par leurs exhortations. Mais l'objectif visé, c'était que chaque individu, chaque famille devienne des références, des colonnes, appuis de la vérité. Le Seigneur est en train de nous préparer pour son royaume. Il faut que cette Église que nous sommes soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Puisse le Seigneur achever l'œuvre de sanctification qu'il a commencée dans chacun de nous pour son glorieux jour. Amen. Pour nous préparer pour ce glorieux jour, nous pouvons compter chaque jour sur notre Sauveur, qui est notre rocher, Jésus-Christ. Et avec lui, nous ne pouvons craindre tout ce qui va nous arriver. Et c'est avec ces paroles que nous allons conclure notre culte au numéro 618, « Christ est mon rocher ». Mettons-nous debout.
Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole de vérité. Père, nous voulons compter sur toi, toi notre rocher, Seigneur. Bâtir sur toi afin que notre édifice spirituel puisse tenir jusqu'au bout. Tu es allé nous préparer un royaume, Seigneur. Maintenant, tu nous as appelés à nous préparer aussi pour entrer dans ce royaume et de nous faire diligence. Et que rien ici-bas, Seigneur, ne puisse venir ralentir notre marche ou arrêter notre marche vers ce royaume. Donne-nous les yeux de la foi, afin, Seigneur, d'entrevoir déjà tout ce que tu as en réserve pour nous. Bénis cette assemblée, Seigneur, chacune des familles représentées. Tu sais la lutte de chacun, tu connais le combat de chacun. Et donne à chaque famille la victoire, Seigneur, en toutes choses, sur le mal. Et qu'elle soit fidèle, Seigneur, jusqu'à ton retour. Merci, Seigneur, pour le soutien que tu continueras à nous donner. Bénis le reste de la journée de sabbat. Et que chacun, Seigneur, puisse trouver un moment pour méditer sur ta parole et se fortifier. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur, que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.